On attend de voir ça. Impressionne-nous. Quoi? Ouais. Allez, Cloutenax. Ouais, c'est la bonne position. Et c'est parti sur PS2. On va voir comment ça va se passer. Grosse dash attack. Enfin, grosse. 16%. Mais c'est félin. Et oui! Fait l'inferno qui rappelle. Ah, je suis Mutonax qui fait regarder, je ne commente même pas. Ah bah tu peux dire des petits trucs, ça monte vite. Bah ouais, ça monte vite, mec. On parle d'un. C'est pas un heavy. Ouah, 76. C'est pas un heavy, mais considère-le comme tel. Hein, parce que. Voilà. Honnêtement. Ça met des patates. Ah là là, ça cherche son contre. On sent qu'il veut. Ah, il veut faire plaisir avec des gros coups, des gros pourcents, mais malheureusement, il se fait reverse à cause de ça. Et ça grille sur un fer. Waouh, l'angle droit. Il t'a fait l'équerre. Il était pas droit. Il fait l'équerre de la PS2. C'est la reconnue. Il sait combien de centimètres à mesure. Comment va-t-il se sortir de ce désavantage? Parce que le problème, la direction de la redodge qui est vraiment nulle en désa, je trouve. Oui. Vaudrait mieux juste spot dodge straight vers le bas. Bon, up tilt, upper, non, pas de upper. Non, ça va trop loin. Ouais, voilà, c'est l'inferno. Fais l'inferno. C'est le F-tilt. Tu peux pas dire qu'il y a un retard. Ah oui, t'arrives. C'est le F-tilt qui va trouver la stock. Tu peux pas dire qu'il y a un retard de stock avec Fais l'inferno. Parce que à partir de 80, le mec il fout n'importe quel perso. Il est en comeback. Je dirais qu'il y en a une en moins. Ouais, voilà. Il est en comeback. Mais d'ailleurs, mais ça c'est safe, c'est incroyable. On a pas vu d'Alola Moist qui ont touché. Pourtant on a vu pas mal de shield, alors peut-être il attend le moment opportun. Ça c'est bien spacé. Ou alors c'est parce que tous les joueurs fait l'inferno. Ah, ça a tenté d'être viard. Aïe. Petit hitbox pour pouvoir toucher. Il a évité. Les petits pics là. Salut. Au quand tu reviens, tu top 8. Hein. La prochaine fois que tu viens, tu top 8. Ah, il faut pas partir comme ça. Ouais, okay. Non, mais regarde-moi. Je suis arrivé en top 8 alors que normalement j'y vais jamais. Ça arrive. Ok. Donc, beaucoup de side B loupés, on n'a pas vu un seul Alolan Wick réussi. Ah, peut-être, mais. Je dirais pas qu'on s'ennuie, mais. Il est où le kill là? Il suffirait d'un. Il est où? Il suffirait d'un F-tilt. Oh, dommage. Il suffirait d'un F-tilt, d'un fer, d'un bacard. Voilà, tu vois, le fer. Il suffirait d'une étincelle. On va pas faire le bon non plus. Un up tilt, un upper, un back air, n'importe quoi tu. Mais il n'y a même pas de retard de pourcent parce que. Voilà, enfin, je sais pas. Et là c'est trouvé. Bah là c'est trouvé, ça c'est le juplex. On appelle ça le coup de la scoliose. Oh, side B? Non. Mecs, non, ça suffit. Est-ce que vous savez s'il y a un side event ou pas? Je pense il y a de l'ADR si tu veux. Non, mais en fait, non. Ils ont dit qu'ils allaient mettre HDR, mais je pense pas que ça a été fait. Ah. Bref. Ça... C'est super. Oui, c'est super Ivan, mais fait l'inferno. Oui, désavantage. Il est déjà à kill pourcent, donc non, il n'est pas en désavantage, fait l'inferno. Aïe, aïe, aïe. On sent que les timings sont pas très bons. L'idée, là. Ah. Volonté. Dommage. Oh, le backer. Backer qui tue. Oh, là, on le voit jamais backer. Ça fait plaisir de le voir trouver un kill là-dessus. Et regarde, on utilise ses 4 doigts. Oups, oups. Oups, on peut tout modifier. Et c'est Follet qui a la première game. C'est un BO5? Ouais. Ok. Follet Glutonax, c'est en loser? Non, c'est... ouais, Follet a win contre Smoxy, effectivement. Le Wario de Smoxy. Ce qui est plutôt cool. Hein. Ça repart sur PS2. Tu gagnes, hein. Fait l'Inferno qui est quand même la meilleure à jouer au jeu, franchement. Moi, je pensais que ça allait être Archiduc. Meilleur catcheur mexicain. Oh, mais génial. Oui. C'est génial. Vous pouvez incarner un catcheur mexicain avec une tête de chat. Un catcheur mexicain qui est un chat, voilà. Et un tigre et un Pokémon. Sans voilà. Rappeler un certain catcheur qui fait du 619. Quoi? Bien sûr, faut connaître la position, faut connaître la prise. Je crois voir, mais moyen. C'est entre deux cordes, tu fais passer tes deux jambes. Pour rendre la tête de la personne, ça marche. Oula! T'es terre. Il a du feu au niveau de la ceinture, voyons voir s'il va mettre le feu au stage de PS2. C'est son terrain dans le public à Sacha là. Mais je trouve franchement qu'il pouvait pas ajouter un meilleur Pokémon que. Pékin. Ouais. Même si je ne suis pas très fan de la 16. De la 7G? Oui, non, clairement pas. Moi j'adore la 7G. Enfin j'adore. Je ne supporte pas y jouer. Ah c'est vrai? Ah non. Moi genre j'ai trouvé que la 7G était pas mal comparé à genre ce qu'il y a eu après. Ce qu'il y a eu après, sûr.
sûr. Genre, c'était le dernier qui était bien, je trouve. Le dernier qui était bien pour moi, ça reste les versions sur DS. Oh, Rosa était trop bien. Oui, mais je n'ai pas joué, c'est pour ça qu'en fait mon avis est biaisé. Ne m'écoutez pas. Mais c'est vrai que XY, il n'était pas incroyable. Je l'ai fait, XY. XY, plat. On va l'avoir refait. Il est plat et pourtant il est en 3D. Exploitable. Exploitable. Exploitable à son... Dès que t'accès à la pension. Elle est trop prismatique. Aïe, aïe, aïe. C'est niqué. Ton jeu et ton expérience est niquée. Tu prends un seul Pokémon dans le jeu, ton starter, tu peux faire tout le jeu avec. Ah ouais. Tu chopes un Lucario avec une méga gemme, c'est bon, t'as gagné. Bon après, parce que les stats sont cassés bien sûr. Je me souviens quand même que le jeu, il avait des mini-jeux plutôt cool et il avait oui, bien sûr. Surtout une ligue qui pétait la classe. Une des ligues les plus stylées du... La ligue. Ah oui. C'est pour ça que ça donne une map dans j'ai juste souvent ça. Bref, le Smash Bros. Oui, on discute. Oui, Smash Bros. Mais en attendant. Mais il y a des Pokémon, donc quelque part on n'est pas complètement hors sujet. Donc Follet qui est très chaud, hein, qui réussit à avoir de l'avance sur Glutonax. Mais il le lance en Edge Guard. Voyons voir ce qu'il va en faire. Pas grand chose, il préfère jouer safe. Et ça se comprend. Mais il se fait zoner. Hein. Oh, ok, oui. Il se fait zoner, c'est pas ça très attend, agréable. C'est bien. Ah là 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 là. Des ouvertures. Et là, comment il va s'en sortir? Comment tu t'en sors sur ça? Vas-y, bah montre-moi la frame. T'es censé tilt ton shield de manière à ce que ça te décale. Toi, que ça te décale toi. Aïe aïe aïe. Ouais, que ça te décale de lui. Et à un moment, ça touffe. Enfin, tu peux roll out. Genre, carrément dedans. Là, il était dedans, mais s'il avait tilt son shield, il aurait pu s'en sortir. Que Yoshi peut pas. Cette patience de l'interpoler. Qui n'attaque pas directement, qui préfère choisir le grave. Mais il trouve pas ses revanches, il trouve pas ses phases d'avantage. Peut-être parce qu'il est spam à mort. Oh, aïe aïe aïe. Ah, il est spam pas. Il est situation. Ouais. Là oui, mais c'est parce qu'il a besoin de remonter. Il a besoin de remonter malgré son 69. Mais là, je me demande pourquoi il a pas. Aïe aïe aïe. Ça tuera pas. Et ça a trouvé. Heureusement, c'est un BO5, tout n'est pas perdu, même si le match n'est pas perdu non plus. Bizarrement, je le vois pas tech chase à base de side B. Ce qui est assez étrange. Ah là 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 là. Il pume pas les shields. Ça me. Enfin, pas avec des. Tu sais quoi, je trouve ça vachement agréable quand tu vois un barrière de Corinne qui n'a pas de lag à l'atterrissage. C'est étonnant, mais ça fait du bien. Ah, mais voir. Mais comment il a pu se rouler ça? Waouh, attends. C'était quoi cette interaction? Oh! La toute petite hitbox! Le sweet spot qui est trouvé! Ok, c'est le début d'une remontée spectaculaire. Ou juste. Il est déjà à 1000%. Suffirait de trouver. Il s'en fout! Il en a rien à foutre, il s'est pris dans les petits trucs, il s'en fout. Bah, la rage est à fond, elle est à 150. Là, il peut tout faire. Il peut tout faire, le Glutonax. Suffit de trouver un grab. Oh. Suffit de trouver un Ah dommage, c'est pas grave. C'est un BO5, il peut encore s'en sortir. Ah là là, c'est dommage, on aurait préféré voir une remontée, mais ce n'est pas grave. Follet qui est chaud patate. Follet à la DL, là t'en peux plus là. Il a gagné. Il reste encore un match. Encore un match. Glutonax qui galère en désert. C'est vrai. Mais attends, pourquoi il a 0? Ah non, il vient d'avoir joué. Follet, ouais. On peut faire un side event après? Bah il y a le ladder. Si tu veux lancer le ladder. Attends, t'en fais pas ça, c'est pas. Si, mais je peux. Bon, c'était quoi les jeux? Le jeu auquel on a joué la dernière fois, t'avais un. Lethal League. Ouais. Lethal League, c'est trop bien. Ouais, j'avoue ça. Bon, ça moi, je veux un Side Event Lethal League. Ouais, tout à fait. Moi, je vais te taper dans le. Vas-y, Tsu, tu traînes et la prochaine fois, tu top 1. Je vais rien dire, oh je me cache. Tu t'es vengé. C'est honteux. Bref, ça repart sur Corinne Félinf. Félinf noir, là on veut. C'est la bagarre, c'est la rédemption. Ouais, ça c'est. C'est le Glutonax. Power. Exactement. Follet qui hésite entre choisir la femme ou l'homme. Car Corinne est un. Mais comment vous faites pour gagner contre Félinf noir, les gars, je comprends pas. En gros, le personnage, il a un désa un peu nul parce que si tu. C'est non, il est archi fort. Oui, parce que tu dis il y a le down B. Oui. Mais écoute-moi. Ouais. En gros, le down B, il ne met que quand tu vas overextend. Donc tu fais ton combo, tu overextend au début, tu vois qu'il perd voilà. Le down B, puis tu punis le. Et ça, c'est la manette. Attends, on va faire ça simple. C'est quoi les pires counters de Félinf? Les pires counters de Félinf? De commencer à avoir plus de parties de nuit déjà. Attends, c'est quoi ça?
Il la grab alors qu'il était... Grab, oui, je crois que ça extend sa Xbox. Ouais, ouais, le side. Tout à fait. Ah, ok, ok. Sa Xbox. Sa Xbox, ouais. Sa série X. La Xbox étendue. Et... Vous voulez agrandir la taille de votre Xbox? Non. Tu souhaites avoir une grosse Xbox avec beaucoup de gigabits. Et ça tue pas parce qu'on parle de Fait l'Inferno. Donc tu sors de votre Xbox avec Dr. Griffy. Dr. Griffy. C'est approuvé par le grand médecin. Plus grand médecin de Smash Bros. Sur un mec comme Madame Lachaise. Oh, aïe aïe aïe. Merci. Derrière. Professeur Lachaise. Arrêtez de parler de Kimi. Professeur Lachaise. Ok. Non mais oh. Suffisait, je pense. Molo. Même si bon, on comprend que ce soit pas toujours facile. Revenge. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a un bon match. Ah ouais, il a un bon match. Le ému est vraiment pour lui. Ah, en vrai, pas si sûr que ça parce que Corinne en Desa. Par contre, la taille du up smash, gros. Ça, c'est du up smash. Ouais. Ça, par contre, c'était un comique de ouf, mais c'est pas ça. Ouais, c'est triste. Donc, Félin. Est-ce qu'il réussira à prendre une game pour l'honneur, hein, tout de même? Ou. Aïe aïe aïe, c'est 30%, il perd sa revanche. Le kill! Il est trop fort, sa race. Ouais. Pose-toi la question, est-ce qu'il faut vraiment shield ou lâcher le shield? Mais Follet, il fait des backers! Il a compris comment marcher son perso! Incroyable! Mais oui, et là il a tous les tipeurs. Ouais, je le vois très peu. Je te jure, je vais train un perso. Attends, ça veut dire que là je vais affronter Follet en finale. Ah vraiment? Le meilleur moyen de battre ce genre de perso? Prendre du plaisir, c'est tout. Ah non. Prends du plaisir, mon pote. Je te jure que Félin, c'est vraiment ma bête, moi. Mais Félin, je te jure, tu tapes à des moments où lui il fait pas counter, puis c'est. Oui, c'est ça. Mais parce que je suis encore tout le personnage à counter, bien sûr. Attends, mais ça veut dire. Ah mais c'est compliqué, un Glutonax, bou. Et un F-Smash de plus. Le mec se fait prendre dans la moulinette au F-Smash. Mais attends, je vais affronter Follet en finale. Y'a un truc qui va pas sur cette wiki. Y'a un truc qui va pas du tout. Autant moi. Le sweet spot, ça fait toujours plaisir à voir. Est-ce que c'est Even? Pour le moment. Bah oui, c'est Even. Dommage. On aime bien Glutonax qui s'est défendu tout de même. C'est un large soir qu'on va s'afficher sur Follet. Eh Follet, ça te dirait d'affronter des Yoshis? Ah, il va passer un bon moment lui. T'inquiète, je vais te venger. Je te venge. Let's go Follet.